Bonjour, je suis Genius, la décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Non, c'est moi qui suis en retard, c'est pas grave, c'est Zolette, Luc Monet, chaud ce soir. Viens. Regarde. Regarde ses dents, ça brille. Il a le costume d'un docteur, il fait genre il est docteur, mais il est pas docteur. Il mange du Burger King et il se lave les dents avec du dentifrice de Burger King. C'est quasiment la même chose ce soir. D'abord, mille excuses, je suis en retard. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. J'ai préparé votre émission, c'est pas n'importe quoi. Excellente émission ce soir. Partagez. On devrait être des milliers à regarder cette émission. Pourquoi ? Ben parce qu'on va démystifier un thème que tout le monde aborde sans savoir de quoi il faut parler. On va parler de la formation au trading. Alors votre serviteur est quand même bien placé pour vous en parler. J'ai quand même créé la première école boursier trading en France. Applause ! Ça a marché ou pas ? Je sais pas. Il a pas son oreillette, Léo, il peut pas me dire. Applause ! La première école boursier trading, effectivement, en France, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années. Je vais vous dire, effectivement, ce qu'il faut retenir. Je vais vous dire ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut pas en faire? S'il faut en faire, laquelle il faut en faire? S'il faut pas en faire, pourquoi il faut pas en faire? Mais tout ça, il y a beaucoup de fer. Bah oui, le fer, c'est bon pour la santé. Bref, t'as compris. On va parler que de formation de soi. On va se marrer aussi, parce que c'est le but. C'est parti de l'être Luc Monet Show version 4. Attends, je vais sur... Tu vas sur ta Genius, je vais sur ma Genius. Je vais vous voir aussi sur la Genius. C'est quoi la Genius, Luc? Bah, la Genius, c'est véritablement le trading en V4, V5, V6, V7, ce que tu veux. Mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir avant avec tout ce qu'il y avait auparavant. Tu l'as compris. C'est énorme. La Genius, c'est absolument énorme. Si tu veux voir Luc dans la Genius, tu as deux possibilités. Soit tu regardes dans ton application mobile, mettez-la à jour en tout cas. Mettez-la à jour. Oui, Cédric, la chasse aux pigeons est ouverte. Fais-nous le rrrr. Vas-y, fais-le, Cédric. Alors, bonjour à ceux qui proposent de la formation qui regardent ce soir. Bonjour, effectivement, à ceux qui viennent pour la première fois nous voir. Bonjour, en tout cas, à ceux qui nous connaissent et qui aiment le Let's Money Show tous les mardis soirs. Allez, on se marre. Bah ouais, on va se marrer, bien sûr qu'on va se marrer. C'est tellement absurde ce qu'on propose actuellement pour soi-disant faire gagner de l'argent. Je vais vous en parler, je vais vous en montrer. Avant toute chose, on est entre nous, personne ne nous regarde, c'est le principal. On va pouvoir parler d'indiscrétion. Si vous avez la Genius Station, je vous montre deux choses. Je vais vous montrer deux petites choses qu'il faut que vous puissiez savoir. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, là-haut, mon écran, rapidement, on va rapidement regarder ce qu'il y a de nouveau dans la Genius. Mais avant même de regarder ce qu'il y a de nouveau dans la Genius, on va d'abord regarder les statistiques. Bah oui, les abonnés qui déclarent leurs gains. Et non, vous ne rêvez pas. Vous avez sur l'ensemble des abonnés 60% qui déclarent réaliser des gains. Les autres 40% déclarent avoir été absents. Ce qui est génial, c'est que les 60% eux déclarent avoir gagné plus de 30 points aujourd'hui. En même temps, c'est pas très compliqué, on est bien d'accord. Les marchés ont explosé. Il fallait de toute façon acheter le marché. On n'a fait que de le dire, hein. Acheter le marché. Alors Luc, sur quoi ils ont gagné? Ben, ils ont gagné sur les futurs, sur le Forex, sur les indices, sur les commodities et les currencies, bien évidemment. Vous les avez là, toutes là, les opérations, elles sont détaillées.
le trait tricorne est ici. Alors, bien sûr que vous pouvez vous abonner à la Genius Station, bien sûr que vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone, bien sûr que vous pouvez l'afficher sur votre ordinateur, ça marche très bien. Et oui, ça vaut des milliards de formations, en toute humilité, bien sûr, on en parlera, vous verrez, c'est assez étonnant ce Genius Station. Pour ceux qui ne savent pas, regardez, il y a une vidéo exprès pour vous montrer à quoi ça ressemble. On peut voir mon écran ou pas, Mariana? J'ai fait une connerie ou elle ne veut pas montrer mon écran? Voilà, merci. Regardez ce qu'il y a de nouveau. Regardez, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Je vous montre rapidement parce que je sais qu'on a des yeux un petit peu, les yeux qui traînent. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez un petit peu ce qu'on est en train de voir. D'abord, le temps réel à tous les étages. Hein, le boom dans le temps réel qui attend de starter. Et surtout, regardez à droite, on est en train de travailler sur ça. Le remplissage automatique de votre bracket order pour envoyer de manière instantanée vos ordres. Est-ce que là-haut, on peut faire un petit effort, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut voir mon écran en entier, de droite à gauche et de haut en bas, s'il vous plaît? À droite, on est coupé, ça n'est pas normal. Est-ce qu'on peut voir cet écran, s'il vous plaît? Regardez un peu ça. Regardez ça, clairement. On est avec un logiciel poussé par l'intelligence artificielle qui se base sur mon expérience et qui permet en plus, ici à droite, désormais, de passer les ordres. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est la Genius Station. Allez hop, terminé la Genius Station. Tiens, on se fait un petit coup. C'est Genius, tiens, on se le fait. Et alors, en plus, je vais vous dire un truc. On se prépare pour le gros machin parce que demain, je dis bien demain, demain, il ne faut pas oublier que c'est quand même le FOMC. Il ne faut pas l'oublier, le FOMC demain. Regarde, regarde l'euro-dollar en target. Regarde si ce n'est pas beau. Exemple. Tu as eu ici ton start, l'alerte a été envoyée là, regarde. Ton start ici, badaboum, target. C'est que ça toute la journée. C'est que ça toute la journée. Tiens, regarde, on se refait l'euro-dollar dans l'autre sens. Il se prépare effectivement à remonter cet euro-dollar. Forcément, on va le travailler dans les deux sens. Il nous reste une alerte. On va travailler effectivement côté long comme côté short. Tu l'as et on pourra passer l'ordre automatiquement à côté. C'est sur quoi on travaille. Chut, on en dit... pas plus, on n'en dit pas, bah non, on n'en dit pas plus, tu verras. Eric, tu verras que ce n'est pas fait que pour les initiés, bien au contraire, c'est fait absolument pour tout le monde. On va parler, bien sûr, de la formation au trading, on va parler du FOMC, je vous rappelle, FOMC, la décision de la Fed sur la politique, de, la politique monétaire, en tout cas américaine. Surtout, soyez là demain à 8h, réservé aux abonnés. Ah bah oui, comment je m'abonne? 1 euro. 1 euro, tu testes. Ah bah 1 euro, tu testes. 1 euro, toc, toc, bonjour. 1 euro, hop, je rentre. Et puis après, si ça te plaît, tu continues. Si ça ne te plaît pas, tu t'arrêtes. Mais au moins, tu auras eu la Genius dans les mains et tu pourras t'amuser à gagner de l'argent. Oui, vraiment? Ah bah écoute, c'est le but. En tout cas, c'est réglé. Vous voulez voir les statistiques de la Genius tous les vendredis? Allez-y, vous pouvez y aller. Vous vous inscrivez sur geniustradeunionstation.com et directement, vous recevez les statistiques tous les vendredis. On ne cache rien. Les statistiques sont mises à jour automatiquement par le système Genius, le logiciel qui vous envoie directement les stratégies, bien évidemment. Une petite parenthèse avant de commencer le débat et le sujet sur cette fameuse formation au trading. On recrute énormément dans la Genius Station. On recrute des talents. On ne veut pas des pieds nickelés, bien évidemment. On veut pas, on a eu des mauvaises expériences par le passé, des gens qui malheureusement ne sont pas de bonne constitution et qui ont en arrière-idée de venir nous casser la tête. Bien au contraire, on recrute dans la Genius Station, on recrute une assistante administrative forcément qui doit parler au minimum français, un petit peu d'espagnol, même le scolaire est accepté, et l'anglais. On recrute aussi un spécialiste ou une spécialiste en tout cas du marketing digital. Donc si vous connaissez quelqu'un, bien évidemment, dans votre entourage qui cherche à être recruté, n'hésitez pas à véritablement nous envoyer votre CV info@traderalert.com, info@traderalert.com ou 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Vous êtes très nombreux ce soir et je sais que ce n'est pas vous, mais regardez les 10 likes, vous en avez 19. Ça, c'est ce qu'on appelle une brochette de bras cassés, d'accord? Ils sont tous à la queue leu-leu, ils chantent un peu du Bézu. Et ils sont à la queue leu-leu. Ils font ça que pour une seule raison. Parce qu'ils ne veulent pas que la vidéo soit suffisamment diffusée pour que tout le monde apprenne ce que c'est que ce qu'ils proposent. Ce n'est pas du français de chez nous, mais en tout cas, c'est presque du français. On va parler de la formation et de ce qu'ils vous proposent. Likez, likez, regardez, regardez ce qu'ils font, regardez. Regardez la compétition de ces tarés, regardez ça. Regardez la compétition. Vous êtes là, les tarés.
Ça va, chouchou, t'as pris tes médicaments? Eh ben, tu vas regarder l'émission, on va se marrer. On va parler de toi. Ah ben, c'est sûr que t'es dedans. Ah ben, alors toi, t'es dedans, en plein dedans. Ah ben oui, c'est toi qui as fait le test du QI, je savais même pas comment te noter, il n'y avait pas assez de place dans les cases. Ben ouais, évidemment. Au lieu de mettre un dislike 23, prends la parole et viens parler avec moi. Fais une émission avec moi, bien évidemment. Allez, on avance. Non, Trader Alert, c'est pas fini. C'est Inside the Genius. Trader Alert, c'était des stratégies. On va en parler pendant l'émission, tu vas voir. Alors, on va se poser des bonnes questions ce soir. Bah oui, comme à tous les lettres Money Show, on va se poser les bonnes questions. D'abord, je vais vous parler des formations les plus dingues du trading. Ils sont là, hein. Ils sont dans les 24, là, dans les 10 lags 24. Ça se trouve, c'est même une seule personne qui a 24 pseudos. On peut switcher d'un compte à un autre et envoyer 26. Regarde, ils sont là, regarde. Regarde les débiles, comment ils sont là, regarde. Regarde les tarés. C'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, on continue. D'abord, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on fait de la formation? Pourquoi tu veux faire de la formation? Pourquoi? Pourquoi? Alors, le problème, c'est que moi qui suis confronté à beaucoup de jeunes en particulier, on fait de la formation parce qu'on veut prendre du pèse, de l'oseille, de la fraîche. On veut faire de la formation quand on est un petit peu plus âgé pour devenir trader pro. On va en parler parce que c'est quoi un trader pro? On va en parler, tu verras. C'est bien parce que le thème de l'émission, en l'occurrence, commence déjà à blesser certains alors que je n'ai même pas dit non à rien du tout. Ne t'excite pas, toi qui fais partie des 28. Ne t'excite pas, je vais parler de toi. Ah ben oui, ne t'excite pas, j'arrive. Alors, on fait de la formation au trading, pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour devenir trader pro, pour se la péter. On peut, remarque, faire de la formation au trading pour se la péter et mettre un beau diplôme au-dessus de son bureau, qui la plupart du temps ne sert pas à grand-chose, parce que qu'est-ce que tu auras appris dans cette formation? Pas grand-chose. Alors, on va parler de plein de trucs. D'abord, il faut vous dire une chose, c'est qu'en inspiration, j'ai les trois versants, le versant américain, le versant européen et le versant asiatique. Et je les vois fonctionner tous de manière différente. Je vais donc vous parler un petit peu de ce que j'ai vu à Hong Kong et au Japon. Je vais vous parler de ce que j'ai vu aux États-Unis et je vais vous parler aussi, bien sûr, de ce qu'on aura vu en France. Le gros problème, c'est qu'en Europe, il n'y a pas tant de formateurs que ça. Rarement sont ceux qui sont domiciliés en Europe ou proches de la France. Par contre, des mecs qui sont loin, il y en a à profusion. La difficulté, une fois que tu as fait cette formation en vidéo, la plupart du temps très loin, c'est que tu peux te retourner contre ta commode. Eh ben ouais, personne d'autre, ça c'est clair. Alors, on va parler de du premier cas de figure. D'abord, on fait de la formation pour gagner de l'argent. C'est bien, c'est utile, c'est intelligent. Après, il faut savoir modérer son envie. Tu ne peux pas non plus faire de la formation. Viens chez moi, tu gagnes 100 000 dollars le matin quand tu te lèves avant même de te brosser les dents. Parce que ça rime à ça, la formation sur Internet. Les 30 qui ont mis le dislike, c'est eux. Hein, ils sont là-dedans, ils baignent là-dedans. C'est-à-dire qu'eux, ils t'expliquent que faire de la formation au trading, tu as une chance au tirage, une chance au grattage, ils ont une chance à tous les coups. Ah bah oui, évidemment. Parce que leur formation au trading, moi, je ne critique pas, je vais juste expliquer ce que j'ai vu. Je vais vous donner en tout cas, moi, mes sentiments. Puis après, vous ferez ce que vous voudrez. Peut-être que vous irez rejoindre les 28 dislikes qui ont dans le cerveau autant de neurones qu'une grenouille en fin de vie. Donc, véritable. Voilà, ils sont 29. Mais c'est le même, hein, c'est le même qui doit disliker. Merci à YouTube d'agir comme un abruti aussi et de mettre en avant des gens qui valent rien et qui, véritablement, sont sur ce genre d'émission. Ce que je veux dire, c'est gagner de l'argent en toute proportion, bien évidemment. Alors, l'exemple vient du soleil levant ou même du soleil du pays, du soleil couchant. Figurez-vous que quand on est en Asie, quand on circule en Asie, les gens qui font du trading, il y en a beaucoup. Et ça commence très tôt et ça finit très tard. Le jeune qui fait de ses études finance la plupart du temps ses études grâce au trading. Et oui, absolument. La grand-mère qui est à la retraite va accrémenter sa retraite et même des fois payer sa retraite grâce au trading. Et oui, absolument. Alors, le trading sur quoi? La plupart du temps, c'est du trading sur devises. C'est ce qu'on appelle le foreign exchange ou encore plus le forex. Et là, y a tout et n'importe quoi. Il y a vraiment, mais alors, tout et n'importe quoi. Entre les mecs qui se la racontent, genre je travaille pour des sociétés cotées, t'inquiète, moi, à Wannabe et tout ce que tu veux, et qui n'y connaissent rien, mais quand je dis rien, ils y connaissent rien. Parce qu'excuse-moi, toi qui te la racontes comme jamais, qui écris des bouquins à la troisième page, tu as envie véritablement de le mettre dans la cheminée, pour pas dire ailleurs,
sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta science et de ta culture? Moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un vient me voir, c'est que je puisse lui donner ce qu'il veut en objectif. Alors, oublie la formation traditionnelle, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est terminé, mais je pense que tu l'as compris en amphi, matin, hein, parler. On s'en fout, ça vaut plus rien, ça c'est clair. Alors, ils ont trouvé le principe de pomper ce que j'avais fait, c'est-à-dire qu'ils ont monté une salle de marché dans leur centre. Et bien évidemment, alors tout le monde ne le fait pas, parce qu'il y a le Louis de Funès du trading en France qui véritablement a monté sa salle de marché, qu'il appelle Arcade en tout cas, qui est d'ailleurs très mal élevé, c'est un copieur invétéré, mais ça, encore une fois, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il propose. On parlera de toutes ces formations les unes après les autres. Gagner de l'argent, donc, ce n'est pas un handicap. Gagner de l'argent, ce n'est pas mauvais. Gagner de l'argent, ce n'est pas mal. Gagner de l'argent en faisant une formation, c'est tout à fait intelligent, considérant que la formation doit durer un minimum de temps pour pouvoir réussir à dégager un certain profit. Tu risques, elle est longue, cette phrase. Et forcément, avant de t'amuser à essayer de foutre tes 5, 10, 15, 20 000 dollars à un mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui t'a promis la lune sur Internet, tu vas demander quand même de vérifier un petit peu. Chouïa, tu vois, un tout petit peu. Putain, ils sont nombreux à avoir créé des pseudos à nous mettre du dislike. J'adore, sincèrement, continuer à disliker. J'adore, ça veut dire que vous êtes là et vous allez manger. Bah oui, parce que les gens qui nous regardent et qui cherchent à se former au trading vont renforcer leur intelligence. Et je peux te dire que demain, tu peux faire la plus belle pub du monde. Tu vas passer pour un âne. Ah bah, je te le dis, parce que tout ce que j'ai relevé, il n'y a rien de pire. Hein. Là, on est dans le pire du pire. Et pourtant, les mecs ont pignon sur rue. Il y en a qui disent qu'ils distribuent des diplômes. Il y en a qui disent qu'ils sont agrémentés d'État. Il y en a qui disent « meilleur que moi, tu meurs ». Et il y a aussi certains qui disent… Alors, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce terme. Et c'est absolument partout, quasiment partout. « Formez-vous à l'excellence ». Alors, rien que la sémantique de la phrase ou même l'étymologie du mot « excellence » est complètement oubliée. On va en parler, tu vois. C'est assez marrant. Bref, en tout cas, gagner de l'argent, c'est possible. Se former pour en gagner, c'est aussi possible. Se former et réussir, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut admettre quand même que sur Internet, c'est de la loterie. Tu l'as bien compris. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que maintenant, quand tu tapes formation trading sur Internet, il y en a de moins en moins qui essayent de te former à l'analyse technique. C'est que les gens ont été réceptifs. Bah oui, ils ont compris que pour aller chercher un double top et un triple bottom, il n'y a pas besoin, sincèrement, d'aller chercher de la formation au trading. Que dalle, ça vaut rien. Tu l'as compris, va à la FNAC, achète-toi deux bouquins, lis en tout cas ce que tu veux, ou en tout cas, prends-toi le manuel des figures du trading. Tiens, passe-le-moi, s'il te plaît, Léo. Léo qui est avec moi, si on peut avoir un plan carrément du studio et qu'il l'a en permanence sur lui. Hein. Voilà, ça vaut 149 euros, tu as tout ce qui marche dedans, ne te casse pas la tête, on ne te fera pas faire une formation obligatoire pour apprendre à travailler les figures. C'est évident, c'est un élément de quasi-certitude, mais forcément, ça n'est pas le maximum des choses que tu peux apprendre. Alors, j'ai commencé à regarder quelque chose sur lequel il y avait marqué « formation bourse offerte ». Alors évidemment, comme tout le monde, on est aspiré par le gratuit. On est aspiré par le gratuit, on est aspiré par « t'inquiète, je te le file, je te le donne ». Moi, je pense qu'à un moment, il faut quand même réagir et réfléchir. Il n'y a rien de gratuit, absolument rien de gratuit. Si jamais c'est gratuit, c'est toi le produit qui connais l'adage. En tout cas, clairement, si un mec te dit « je te forme gratuitement », on a vu la question, elle est vite répondue. Vous vous souvenez, le garçon qui te fait payer d'abord, soi-disant, une formation, puis qui te la fait gratuite. Puis après, comme il dit que tu ne sais pas faire de trading, il va t'obliger à aller chercher le côté pyramidal de la force. C'est sûrement des gens, en tout cas, qui sont absolument ailleurs. Sachez que Luc n'a aucune formation. Il n'est même pas allé à l'école. C'est Charlotte qui me l'a dit en privé. C'est bien que tu aies des relations avec Charlotte en privé, Fox. Il y en a qui disent qu'ils ont marché sur la Lune. C'est très bien. Alors, formation bourse offerte. Comment gagner en bourse sans compétences? Alors, celle-là, moi, j'ai adoré. Moi. À moi, celle-là, absolument géniale. Alors, comment gagner en bourse sans compétences? Déjà, rien que dans le titre, c'est excellent. Je te réponds tout de suite. Anaïs, mon cher monsieur, pourquoi vous n'êtes pas millionnaire avec votre propre Génus Miracle? Anaïs, 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. Ai-je besoin de te prouver que je suis millionnaire? Est-ce que j'ai besoin? Viens au Money Studio et puis tu pourras toi-même en tirer les conséquences qui s'imposent. Viens Anaïs. 09 80 08 20 11. Amen. Viens. Alors, formation bourse offerte. Comment gagner en bourse sans compétences?
Bon, moi, je te le fais version Luc. Hein, clairement, je te le fais version Luc. Comment gagner en bourse en compétences? Ça s'adresse aux cons. Ah bah, excuse-moi, je suis vulgaire. Mais comment gagner en bourse en compétences? Le mec, en gros, il s'adresse aux cons. Ah bah, déjà croire qu'une formation, c'est gratuit, c'est pas possible. Mais alors, comment gagner en bourse en compétences? Tu t'adresses aux mecs qui n'ont pas de tuy. Ils sont cons. Ah bah, si t'as pas compris. Alors, en plus, lui, il n'est pas meilleur que les autres parce que lui, il t'explique et profiter des intérêts cumulés pour se créer un revenu complémentaire, non pas santé, mais sécurisé. Je te relis la phrase. Comment gagner en bourse en compétences? Évidemment, tu sais à qui il s'adresse, ça s'appelle la cible. Et profiter des intérêts cumulés pour se créer un revenu complémentaire sécurisé. Loulou, en finance, ça ne s'appelle pas des intérêts cumulés. Mais on appelle ça plutôt des intérêts composés. Ah bah oui, c'est pas la même chose. Ah bah non. Alors évidemment, la question, elle est vite répondue aussi dans l'histoire. Ta formation, elle est gratuite. Tu as le droit de faire des fautes. Ah bah évidemment que tu as le droit de faire des fautes. Les intérêts composés, ça veut dire qu'en fait, tes intérêts viennent s'additionner au capital de base de façon à grossir sincèrement le capital et de manière exponentielle travailler en relativité et augmenter tes gains. Qui s'enrichit ne dépense jamais. Voilà, au moins, c'est réglé. On continue. Alors le gars, il a pensé effectivement à intérêts composés, on est bien d'accord. On a compris tout de suite que le titre s'adressait à des teubés. Des teubés, bah ouais, bah tu vas le voir, tu n'as pas de compétences. Moi, le jour où je te fais une formation pour abruti, je dis carrément, t'es abruti, tu comprends rien, viens. Voilà. Mais mettez pas, s'il vous plaît, n'allez pas acheter un truc où il y a marqué « viens si tu n'as pas de compétences ». Je veux dire, vous méritez mieux que ça, très sincèrement, vous méritez mieux que ça. N'allez pas là-bas si vous n'avez pas de compétences. Si vous n'avez pas de compétences, eh ben, vous allez au tabac du coin, vous grattez un millionnaire et puis on verra si ça passe. Mais n'allez pas vous emmerder avec un mec qui vous raconte des salades, bien évidemment. Alors, il y en a un autre. Lui, formez-vous à l'excellence. Alors, moi j'essaye de comprendre ce que c'est que se former à l'excellence. Moi, là-bas, j'étais venu pour me former au trading. J'étais venu pour me former pour gagner de l'argent. Lui, il veut me former à l'excellence. Alors, j'ai cherché dans quel sens il fallait le prendre, ce que ça voulait dire. Et il explique, lui, très sincèrement, que clairement, l'excellence, ça veut quand même dire qu'il, dans son genre, a un degré éminent. C'est l'éminence grise, à l'opposé de l'autre. L'autre, il veut te former parce que tu es teubé. L'autre, il veut te former parce que tu es excellent. Lui, le français, il l'a loupé. Il a fait simplement mathématiques, a priori, encore, je ne sais pas. Mais il veut te former à l'excellence. C'est un mot récurrent. C'est un mot qui nous vient des écoles privées, des plus grosses écoles américaines, universités, qui parlent d'excellence absolument partout. Alors, il y a du mastermind, du masterchef, du master je ne sais pas quoi. Il y en a partout, ça c'est clair. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est qu'il n'y a nulle part des programmes. C'est-à-dire que les mecs te font des pages entières en te proposant de te faire gagner de l'oseille. Mais à aucun endroit, ou quasiment aucun, il y a un programme. Tu es venu pour apprendre quoi? Tu es venu pour apprendre quoi? Tu es venu pour apprendre l'excellence. De quoi? D'une mayonnaise. Mais donne-moi le programme que tu vas véritablement me donner. Je veux savoir ce que tu vas me délivrer. Il n'y en a pas. Et les formations sans programme, elles valent 5 000 €. Je répète, les formations, alors c'est beau, hein, c'est sous WordPress avec un slider, tout un tas de trucs, ça vaut 5000 balles. Alors, c'est fou, mais elles existent. Et forcément, si elles existent, il y a des types qui achètent. Ils témoignent même. Ils viennent juste d'acheter, ils balancent 5000 balles, ils se mettent à la caméra et ils disent, c'est génial. Avant, j'étais pauvre. Maintenant, je suis riche. Et tu viens de commencer. Oui, mais c'est pas grave. Je sais que je vais devenir riche. Bref, c'est complètement débile. J'ai vu des formations. Ishimoku, il chie d'ailleurs où il veut, mais Ishimoku. Et Ishimoku, ça vaut 3 000 €. La formation Shumoku, ça vaut 3 000 €. Alors que le livre à la FNAC d'Ishimoku, ça vaut 49 €. Et il n'y a pas de nuance entre les deux. Hein. Il n'y a absolument aucune nuance entre les deux. C'est absolument impossible. Alors, jusqu'à présent, on en est à 19h30. Tu as bien compris que jusqu'à présent, on... Zéro, cacahuète, walou, mais ce n'est pas fini. Alors, il n'y a jamais de programme. Alors, j'ai cherché, et j'en ai trouvé un. Et c'est là où ça devient super intéressant. D'abord, parce que le mec facture 700 balles,
a priori, c'est ce que je vois, pour vous apprendre. Un, commencer à trader, pas mal comme programme, commencer les bases solides, gérer le risque, mais je viens d'arriver, il veut me faire gérer les risques, le mec. Le capital et les gains, bonne nouvelle. Tu viens d'arriver, tu poses ton cul, tu prends 700 balles, le mec te dit, base solide, gérer les risques, le capital et les gains. Bon, ok. Deuxième jour, encaisser chaque jour. Ah bah comme ça, au moins, c'est réglé. Day trading, scalping, t'es prêt? CFD Forex. Encaisse tous les jours avec les CFD. Toi, tu ne vas pas encaisser. Toi, tu vas décaisser. Et lui, il ne pourra pas te rencaisser. Parce que lui, il aura, lui, encaissé. Et c'est le broker pour lequel il travaille, il va supercaisser. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa caisse, en plus. Et ça, c'est génial. Évidemment, si tu vois marqué CFD, cours Forest. Cours, mais purée, mais cours. Et tu ne retournes jamais, bien évidemment. Alors, toi, non seulement on gagne tous les jours, mais après, c'est rentre chaque mois. Ce n'est pas rentre chez toi, c'est rentre chaque mois. Swing trading, actions, dividendes, crypto-monnaie, je n'ai pas compris où vous voulez en venir. Sincèrement, je n'ai pas compris. Rentre chaque mois, swing trading, déjà, swing trading, ce n'est pas sur un mois, mais bon. Les actions, ça peut être sur un mois, mais plus maintenant, c'est clair. Les dividendes, bah, ce n'est pas tous les mois, ou alors je n'ai pas pris la bonne opération, moi. Hein. Et les crypto-monnaies, c'est pareil. Le mec qui fait sur un mois de la crypto, complètement pété le garçon. On fait de la crypto uniquement quand ça vaut l'intérêt. C'est ce qu'on appelle la quasi-certitude. Il n'y a personne qui parle de ça. Personne. Je n'ai jamais trouvé. Tiens, regarde, les 51 qui ont disliké, eux, ils écoutent parce qu'en fait, ils vont noter ce que je suis en train de dire. Ils vont le rajouter à leur programme de formation. Si tu es meilleur que moi, tu meurs de l'excellence of the world of the universe. Écoute bien. En gros, ils te font tous faire la même chose. Je n'ai pas fini, hein. La psychologie du trader, tu ne savais pas, tu es malade. Ah bah, tu es malade. Oh, tu es teubé, tu es malade, tu as des sous, donc tu payes. Mais lui, par contre, il va t'analyser. Dans la psychologie du trader, c'est atteignez vos objectifs. Ça sent le mindset, là, de cette histoire. Stabilisez vos revenus. Tu vois, tu stabilises tes revenus. Moi, je veux les stabiliser vers le haut. Je ne veux pas les stabiliser en training range. Moi, je veux que ça pulse. Je veux que ça monte. Et bien, lui, il veut stabiliser. C'est antinomique avec ce que tu as dit avant, loulou. C'est pas possible. Alors, l'analyse technique, mais attention, lui, il ne se marre pas. L'analyse technique avancée. L'analyse technique avancée. Alors, l'analyse technique avancée, les figures graphiques, les meilleures performances. Alors là, l'analyse technique avancée, les figures graphiques, les meilleures performances, on est dans la rame. Alors, automatisé. Là, le mec, à mon avis, il a ouvert un petit Robert ou un grand Robert. Décorrélez temps et argent pour booster votre rentabilité avec vedette. Alors là, franchement, c'est absolument extraordinaire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Grenouille, je t'aime. Arrêtons de nous disputer. On a divorcé. T'as pris les meubles. J'ai pris le chien. T'as pris la chaîne IFI. J'ai pris la voiture. T'as pris une armoire. J'ai pris la table de nuit. Je t'aime. Merde. Grenouille, oh, arrête un peu. Oh, c'est pas possible. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle a, Anaïs? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a ses ragnagnas, ça va pas, elle est nerveuse. Monsieur Vaudan, je vous prie de faire un direct live gratuit. Merde, tu vas sur YouTube, il n'y a que ça du Luc Vaudan gratuit, de votre soi-disant génus gagnante. Non, mais attends, t'es gentil, toi. Alors, Anaïs. On ne va quand même pas tout filer quand même. On a tellement donné à tout le monde. Quand j'ai lu ces programmes-là, j'ai vu tellement de gens pomper tout ce que j'avais fait moi auparavant. Et je vous promets d'être fidèle. Mais on n'est même pas en couple, Anaïs. Comment tu veux être fidèle? Et si moi, je veux que tu sois au contraire multigame, fais ce que tu veux de ta vie. Mais laisse-nous travailler. Va voir, il y a plein de gens gratuits. Un euro, Anaïs, un euro. Warhead, ou non, si tu n'as pas un euro, oublie le trading et puis au moins, c'est réglé. C'est... Ah bah, Luc s'est fait pomper. Ah bah, je ne sais pas dans quelle strat tu vas, mais moi, je me... Alors là, pomper, dans tous les sens du terme, moi, c'est même pas la peine. Alors, après, on va s'intéresser à des gens qui nous proposent d'être formés au swing et au day trading. Pareil, 700 balles, cours de stratégie et plan de trading inclus pour le day trading. Préparation avant l'ouverture. Petit popo. Lavage de main, brossage de dents, j'allume l'ordinateur et c'est parti. L'étape essentielle à votre succès en day trading.
Alors lui, il a des stratégies. Tout le monde s'appelle extrême, mouvement extrême, extrême, pêche à la baleine. Ça vient foutre dans le trading, on ne sait pas. Pêche à la baleine avec des alarmes. Bon, pourquoi pas. Il y en a qui tirent avec avec une arme, mais lui, lui tire avec des alarmes. Pourquoi pas. Pêche à la baleine deux fois. C'est-à-dire que tu payes, mais tu as deux fois quand même le truc. Ouverture, ça s'appelle un open. Stratégie pour profiter des mouvements importants des premières 30 minutes. Chérie, les premières 30 minutes, c'est trop déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste en dessous, tu vois, un petit peu quand même. Parce qu'en 30 minutes, tu as déjà fait ta tendance, bien évidemment. Alors là, par contre, là, ça vaut le prix. Ah bah là, tu mets le paquet. Moyenne mobile pour l'investisseur à court terme. Ça vaut 700 balles. 700 balles pour une moyenne mobile optimisée à court terme. Mais ce n'est pas tout. Pour ça, tu as le MACD, Moving Average Convergence Divergence. Ça n'a jamais voulu dire ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Moving Average Convergence Divergence. N'importe quoi. Pour le court terme, Relative Strength Index, les bandes de Bollinger. Arrête tes conneries, merde. Bon, on passe au niveau au-dessus. Il y a un programme. Alors évidemment, le vocabulaire est très important quand on propose un programme de trading et qu'il n'y en a pas. On est obligé de passer par des superlatifs relativement importants parce que sinon, tu ne pèses pas. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'expliquais par A plus B une division. J'aurais pu passer par une trigonométrie avec tout un tas de thèses, antithèses, division. Eux, non, c'est super compliqué. Alors, lui aussi, il vise l'excellence. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Visez l'excellence, encadré de près. Hein, fais gaffe quand même, protège-toi. Non seulement il y a le Covid, mais il y a d'autres maladies qui peuvent traîner. Encadré très près, en tout cas, par des gérants de portefeuille professionnels. Allez, le vélo, c'est mieux que le pédalo. On est dans le caméra café, en tout cas, c'est excellent. Regarde, le mec te dit qu'il a été gérant de portefeuille professionnel. Si tu es malin, tu vas sur Reuters, tu tapes son nom et a priori, tu tombes sur le soi-disant, en tout cas fond, que le mec a géré. Pourquoi il n'y en a jamais aucun d'entre vous qui se tape le culot d'aller regarder sur un Reuters avec le nom du gérant, qui la plupart du temps, c'est un mec qui fait de la télé, qui se la raconte, qui montre des résultats qui ne sont pas les siens? Pourquoi tu ne peux pas aller chercher sur Reuters? Grenouille, j'ai simplement dit que quand on cherche des dividendes, on n'en cherche pas tous les mois. Je regrette. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Grenouille, je t'ai aussi dit à la fin que j'étais peut-être pas sur le bon instrument. Grenouille, stop. On va retourner devant le juge des affaires familiales, Grenouille. Hein, ça va mal traîner. Hein. Ça, c'est clair. Alors, regarde. Si le mec te dit qu'il a été gérant de fonds, il te tend le bâton. Tu vas aller regarder sur un Reuters et tu vas taper son nom et tu vas tomber effectivement sur le fonds qu'il gérait. Moi, je peux te dire qu'il y a des mecs qui passent à la télé dans des matchs, je ne te parle pas de PSGOM, hein, les matchs de je ne sais pas quoi, enfin bref. Et ces mecs-là, trois fonds dans le rouge. Hein. Ah mais alors, au fond du rouge même, hein, le vrai fond du rouge. Hein. Il y en a un autre qui traîne. Tiens, un petit appel vis-à-vis des gens sur Twitter qui ont l'intelligence pour certains de dénoncer les arnaques. D'autres qui se disent hedgers sur des fonds qui ne sont même pas isinés, eh bien ces gens-là, en définitive, n'ont jamais eu de fonds, ils racontent n'importe quoi et ça vaut cacahuète. Alors, lui, il explique les bases du trading. Comprendre le fonctionnement des différents marchés, les intervenants. On peut. Sachant quand même que les intervenants, si tu me parles de la contrepartie, la plupart du temps, c'est le broker ou les market makers. Ça ne m'avantage pas, puis dès le départ, me prendre ça en pleine tronche, c'est pas évident. Apprendre à protéger son capital efficacement. Je viens de me mettre un AK-47 dans le garage. Je peux te dire que s'il y en a un qui vient, je tire dans le tas. Hein. Tu ne peux pas protéger ton capital. C'est peut-être même la seule chose que tu ne peux pas protéger, ton capital. Demain, il se passe n'importe quoi. Tu sais très bien que ton capital, c'est de la flotte. Mais tu le sais absolument. Alors, déchiffrer le calendrier économique et tirer son profit. Combien ça vaut ce machin? Je crois que ça vaut des milliers d'euros. Déchiffrer le calendrier économique. Moi, je connais celui de l'avant, le calendrier économique, chez le dire. Et en plus, chez dire ce qui est important ou pas. Dompter l'analyse technique. Dompte l'analyse technique et l'analyse fondamentale en profondeur. Il fait de la plongée sous-marine, c'est de la merde. Reprogrammer, je vous jure que tout ce que je vous dis est vrai, je l'ai emprunté sur Internet. Reprogrammer son cerveau de A à Z. Reprogrammer son cerveau. Oh, mais il est honnête le mec. Il est en train de te pourrir le cerveau.
Ils te racontent de la merde. Ils te le foutent dans le cerveau. Toi, tu paies, tu dis merci monsieur, tu fais une vidéo, il est bien gentil. Hein. Tu pars. Et après, tu perds, évidemment. Je vous jure que c'est vrai. Adopter le bon mindset pour réussir en bourse. Donc, ils reprogramment ton cerveau et après, ils te font du mindset. C'est que de la merde. Ça, c'est clair. Alors, il y en a d'autres. Le trading, du forex, les indices, les matières premières, tout ça, s'il te plaît, dans un chariot, caisse 12 à moins 10%. Anticiper les réactions du marché avec précision. Déjà, encore une fois, dans la sémantique de cette phrase, il y a un commun problème. Il y a un souci. Anticiper les réactions du marché avec précision. Un, plus tu anticipes et moins tu es précis. C'est mathématique. Ah bah oui, il y a le présent, le passé, le futur. L'anticipation n'a jamais été une science exacte, absolument jamais. Alors, lui, c'est avec précision. Ça me fait penser, tu sais, aux attaques américaines en Irak avec, ou même en Palestine, ou ce que tu veux d'ailleurs ailleurs, avec les drones, tu sais, les fameuses attaques chirurgicales. Le mec qui lâche une bombe, il y a 800 morts, mais c'était chirurgical. Mais lui, c'est précision. Précision au top. Alors, apprendre à trader aussi bien en flux que dans un range. En flux que dans un range. En fait, il explique que c'est en tendance ou quand il n'y a pas de tendance. Je te mets au défi de me montrer que tu trades dans un trading range, je n'y arriverai pas. Découvrir, appliquer les stratégies des gérants de fonds professionnels. Pff, mon cul, il y en a de moins en moins. Hein. Je peux te dire que des gérants de fonds professionnels, il y en a de moins en moins. Et si tu m'expliques ce que toi, tu as fait alors que tu as pourmé ton fonds, ça m'intéresse pas, hein, c'est clair. Optimiser son entrée et sa sortie de position. Ouais, c'est pas con. Ah ben ça, ouais, moi j'aime bien. Ouais, ça, c'est le truc que j'aime bien. Repérer une tendance. Et un retournement de marché pour en tirer profit. Là, tu es en train de nous expliquer d'ouvrir les yeux sur un graphique et de regarder s'il monte ou s'il descend. Maybe, pourquoi pas, tu as le droit. Alors, toutes les astuces inédites et redoutables que nous appliquons au quotidien, bien évidemment, pour te faire croire qu'il va te former au trading, il va t'expliquer ce que lui fait pour essayer de t'embobiner. Alors, on continue parce que là, on est sur le top du top. Crédibilité, zéro pour les professionnels et ceux qui savent. Crédibilité, 1000% pour des mecs qui ne savent rien et qui regardent BFM TV ou même d'autres chaînes de télé avec un mec qui se pointe comme ça, un peu bonheur, hein, voilà, un mètre carré. 9 000 euros. 9 000 euros, le programme d'une formation trading, 9 000 euros. Et même 9 900 euros, je t'explique. 1. Présentation des contrats futurs. 2. Relation des marchés, des taux, des indices, actions, incidence des événements sur les marchés, actions et taux. Ouais, bon. Définition des règles du day trading, du scalping, de la stratégie du carnet d'or. Mais c'est de la merde. Il n'y a pas de définition. C'est savoir l'utiliser. Votre profil de trader, quel type d'investisseur êtes-vous? T'as pas été là chercher loin, celle-ci, tu te reconnais. Hein, petit canaillou? C'est moi qui sortais, quel type d'investisseur êtes-vous? T'as pas été là chercher très loin, celle-là. Espérance de gain? Ah ben non, nous, on ne trade pas en mode espoir, ça n'existe pas. Mais toi, tu leur apprends à avoir effectivement ce mode espoir et t'appelles ça le rendement risque. Ça porte un nom. Hein, le risque reward, ça n'a jamais été rendement risque, absolument jamais. La psychologie du trader, on l'a déjà vu au-dessus. Pourquoi tu veux encore mettre de la psychologie? Arrête de croire sincèrement que je suis un teubé. Je ne suis pas teubé. Alors, plateforme de trading professionnel. Plateforme de trading professionnel. Plateforme de trading professionnel. De Zelle, non? Oh merde. De Zelle, putain. Ça fait tâche, 9 900 balles quand même. Ça fait tâche. Choisir son courtier. C'est ton copain. On est bien d'accord. C'est celui qui te paye à chaque fois que tu ouvres un compte. On est d'accord aussi. Bon. Négocier les commissions, l'effet de levier. C'est toi qui les négocies, les commissions. Parce que là, tu es en train de prendre les gens pour des cons. Parce que pour négocier ces commissions, très sincèrement, aujourd'hui, tu dois avoir un capital hors norme ou passer des positions hors norme. Et si tu leur apprends à travailler sur les contrats futurs du type européen, comme toi, tu trades le CAC 40, ce n'est pas possible de négocier quoi que ce soit. Tu le sais très bien. Choisir son marché, trader les futurs indices, actions et obligations. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Présentation des différents intervenants et des contraintes de chacun. Pourquoi aller bouffer, dormir le soir, ouais. Détecter la force du marché. Ouais, un peu de tape reading. Les niveaux importants au carnet d'ordre par rapport au niveau sur graphique. Pff, alors là, j'ai pas compris. Comment construire son trading plan pour une journée? Ah bah merde, avec un Nasdaq qui fait un drawdown de 400 points, je vais réaliser un truc le matin pour le soir. T'es fou? Est-ce que t'es fou? Alors, identification des événements clés de la journée. Bah, je lis le calendrier. Hein. Prise de position sur le marché futur en simulateur. C'est quoi? C'est de l'avion. Les règles. Merci, ça fait plaisir. Money management, définir sa limite de gain et sa perte journalière. C'est pas toi qui définis, hein, loulou. Hein. Tu le sais très bien, tu sais tout ça.
Comment démarrer en temps réel les règles de gestion de la taille et la limite dans le temps? La taille de quoi? J'ai peur de comprendre. Comment démarrer en réel les règles de gestion de sa taille et de sa limite dans le temps? Finis tes phrases, merde. Les principales erreurs à ne pas faire, je préfère que tu me dises en tout cas ce qu'il faut faire. La mise en pratique, formation pratique au trading carnet d'ordre. Trader sur une station de trading semblable aux professionnels en banque et hedge fund. On est en quelle année là? En 43? Attends, c'est 2020 quand même. Hein, c'est fini ces histoires-là. Coaching sur votre propre station de trading individuelle, la Tamie 2LE, bravo. Prise de position assistée et monitorée en temps réel sur un simulateur, je m'en tape. Je m'en fous. Au moment où véritablement je vous parle, j'ai envie de vous dire que les 51 qui ont disliké, qui vendent de la formation, s'équipent d'un outil, on va prendre l'expression de l'autre, redoutable. Ah, redoutable. Je te jure, redoutable. Est-ce qu'on peut avoir l'image, Mariana? Est-ce qu'on peut voir l'image? Est-ce que tu connais ce truc-là? Ça, c'est un truc qui, normalement, est censé te rassurer. Tu as 4,9 sur 5 en coefficient d'avis positif, basé sur 1600 avis. Trustpilot. J'ai juste envie de te dire, c'est génial. On a envie d'y aller. Mais Trustpilot, c'est pas que ça. Trustpilot, c'est l'outil majeur dans lequel tu payes par abonnement le moyen d'enlever tes avis négatifs. Absolument. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi, bien évidemment, je me permettrai pas. Attends, Trustpilot, tu cherches sur Internet Trustpilot et tu vas sur que choisir. Et là, on t'explique tous les dessous de cette société qui véritablement supprime les avis négatifs, demande de l'arbitrage à la société qui paye son abonnement, te dit que véritablement c'est du pipeau. Tout ça, c'est ici sur le forum de quechoisir.org. Tu fais confiance à ça, t'es mort. Ça, ça vaut zéro, absolument zéro. Surtout, ne fais pas attention clairement à ce genre de choses. Alors, tu te dis, le mec, on va essayer de creuser un peu, et le mec, il te dit qu'il a une masterclass. Toi, tu as une Rolex, lui, il a une masterclass. Tu vois ce que je veux dire? Dès maintenant, il faut la faire pour basculer. Écoute bien, putain, c'est presque Allez, Rimbaud, regarde. Toutes vos idées sur tous les investissements et enfin pouvoir générer des revenus passifs. The dream. C'est-à-dire qu'en fait, regardez cette masterclass dès maintenant pour bousculer toutes vos idées sur les investissements et enfin générer des revenus passifs. Il faut avoir de l'air dans la gorge et dans les poumons pour pouvoir dire toute la phrase. C'est de la merde, on est d'accord. Mais c'est de la bouse de vache, c'est cette merde-là. Ça vaut rien. Alors, comment créer une architecture qui vous protège contre les pires choses économiques et accélère votre liberté financière? Te protéger d'une crise économique, c'est comme si, en fait, t'essayais de vendre un Opinel à des hémophiles. C'est débile. Tu ne peux pas te protéger contre une crise économique. Tu crois que M. Durand, qui habite en HLM, qui a réussi à épargner de toute sa vie 40 000 euros, s'il y a une crise économique, il va pouvoir les épargner? Ben, t'as qu'à leur dire aux Américains qui n'ont plus de retraite parce qu'ils sont fait enflumer par des banques, pourquoi eux, ils n'ont pas réussi à protéger leur truc? Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter les conneries. Tu sais qu'il faut arrêter les conneries. C'est le même mec qui essaie de vous vendre le projet d'acheter à l'étranger de l'immobilier. Tu sais que dans l'immobilier, quand tu gagnes 1, tu as déjà 0,80 pompé par l'État. 0,20, c'est les petites choses de mise en forme, la copropriété, le syndic. Arrêtez de croire toutes ces conneries, sincèrement. Alors, lui, il est dans l'ultime. 14 950 euros. 14 950 euros, le cours intégral. Ah bah alors là, trading sur Forex, le marché des futurs, on mélange tout, on fait de la bouillie et tout va bien. Tiens, comme ça au moins, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tranquille, détends-vous. Détends-moi, apparemment. C'est la première fois que je vois un de ces lives. Je m'attendais à ce qu'on parle d'économie, de marché financier. Non, moi, je parle que de ce que je veux. Hein? Maxime, je parle que... Tu vois, c'est mon émission. C'est chez moi, ici. Si tu n'es pas content, tu n'es pas obligé de rester. Moi, je t'aime bien. Mais si tu ne veux pas rester, ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais Anaïs, on est là pour se détendre. On ne va pas parler de marché, Anaïs et les autres. Je vais vous confier un truc. Vous qui voulez tellement voir Luc en opération,
Dépensez 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Venez demain dans la TV Fort Monnaie voir le FOMC à 20h. FOMC, la décision de la politique monétaire américaine. Viens. Viens et on parle véritablement argent demain soir. Maxime, je critique rien, je ne le connais pas, je constate juste que c'est une personne comme il y en a 1000 autres. Oh bah là, je vais verser une larme, Maxime, parce que si des vaudans, il y en a plusieurs. Oh non, bah là il m'a. Oh, j'arrête. Ah là, il m'a tué là. Là, tu m'as tué là. Là, Maxime, t'as envoyé le truc de ouf. Au moins, c'est réglé. Alors, trading show, le Forex, le marché des futurs, il met tout en même temps, il secoue. Présentation des contrats futurs, on n'en a rien à foutre que tu nous les présentes. Relation entre les marchés, les taux et indices actions. T'es quoi, toi, mère? Tu maries les gens? Arrête tes conneries. Enfin bref, toutes ces machins, tu le sais, ça vaut rien. Et le mec, en plus, tu sais ce qu'il fait le pire? Il récupère des gamins qui étaient en école de finance ou de commerce. Il leur vaut 20 000 balles, il leur vend 20 000 balles leur formation supplémentaire. En fait, il leur répète exactement ce que l'autre leur a appris à l'école. Il n'a pas honte. Et il n'a pas honte. C'est le Louis de Funès de Paris, là, que je te disais, qu'à ce genre de choses. Alors, continuons. J'ai bien rigolé parce qu'il propose du coaching et tout ce qui va avec. J'ai bien rigolé parce qu'il y en a un, lui, il ne va pas dans la dentelle. Lui, c'est fuck. You fucking to me, you talking to me. Bref, il fuck tout le monde. Alors, apparemment, il a monté un fonds. Je ne suis pas sûr que ce soit lui, je mets toute réserve. Il s'appelle Fuck Token Dollar Américain. Sa cote, son token, 0,00000 5455. Et il vient de perdre dans cette journée-là -4,91%. Le mec, il est en centaines de millièmes de centimes et il ose perdre encore 5%. Tu vois bien que c'est de la merde. Tu vois bien, très sincèrement, c'est de la cacahuète, évidemment. Alors, il y en a un autre. Alors lui, je ne vais pas citer son nom. Je lui fais un clin d'œil. C'est un enfoiré de base, clairement. C'est un enfoiré de base parce que c'est un voleur. Voilà, c'est pas compliqué. Il s'est assis sur moi avec ses grosses fesses puantes. Et il a essayé effectivement de faire comme moi et il m'a cassé un petit peu partout sur Internet parce qu'il avait ça pour vivre. Hein, il est basé au Canada, mais la société n'existe plus au Canada. Donc forcément, on ne peut plus les attaquer. Alors, lui, il appelle ça trader indépendant. Je ne cite pas le nom de la méthode, elle pue. C'est sûrement des mecs qui font partie des 51 dislikes. Et accès illimité. Alors, tu te dis, putain, à quoi? 12 vidéos. Mais je ne suis pas sur Netflix, je vais apprendre le trading. Alors, accès au forum privé. C'est quoi? C'est une boîte échangiste, son truc? C'est quoi? Enfin bref, vidéo bonus. Il y a même des vidéos pour apprendre à aller dans le club. Bref, vidéo bonus. Plan de trading sur mesure. Alors attends, en fonction de votre profil, 1 heure de conversation téléphonique. Putain, t'as intérêt à mettre le chrono, ça va vite. Hein, avec machin, et pour qu'il comprenne votre rythme de travail. Mais pour qui il se prend, ce mec? Il est en train de te dire que tu vas trader comme toi t'aimes. On n'est pas chez McDonald's, là. C'est le marché qui décide. Tous les professionnels le savent. Mais toi, tu ne le sais pas, tu n'es pas pro. Alors évidemment, tu ne peux pas le savoir. C'était le petit résumé de toutes ces conneries. Tu l'as compris, ça vaut cacahuète. Ah, moi, je vais quand même... On va quand même parler de trucs véritablement qui sont intéressants. Il y a eu les formations. Il y a eu les signaux. Il y a eu les vidéos. Il y a eu les PDF. Tout pourrait être bien. Tout pourrait être bien. Mais aujourd'hui, à quel endroit on trouve des signaux, des lives, le débriefing de ces opérations, des vidéos d'entraînement, le trading live avec sur le graphique, le start, le stop, la target, c'est pas moi qui le mets, c'est la Genius. À quel endroit tu vas pouvoir bientôt passer ton ordre en cliquant que sur un seul bouton? À quel endroit on a la franchise de te dire si véritablement le produit est fait pour toi ou pas? C'est pas moi, c'est la Genius qui te le dit. Si ça fait 10 fois que tu gagnes sur le futur et que la première fois que tu vas sur le forex, tu perds, la Genius va te dire, loulou, reste-toi clairement sur les futurs. Il n'y a personne qui s'intéresse à ta gueule, en fait. Quand tu as payé tes 19 000 balles, qui s'intéresse à ta gueule? Personne. Et ils n'en ont rien à battre, rien à foutre. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'encaisser et surtout te faire décaisser. Donc, apprendre uniquement sur des signaux de trading, c'est impossible ou quasiment impossible. J'ai déjà expliqué, mais je vais le redire, n'apprenez pas une méthode. Apprenez à agir en bourse. Tiens d'ailleurs, question. Pour gagner un magnifique t-shirt de la Genius Station. Question. Il faudrait qu'on ait un générique de Géopardy. Question. Quelle est la seule et unique chose que vous devez savoir faire sur les marchés pour gagner? Je répète. Quelle est la seule
et unique chose que vous devez savoir faire sur les marchés pour gagner, tout simplement. Et vous n'avez absolument pas besoin de payer 19 000. L'analyse technique, c'est de la provoque, Anaïs. Viens à Barcelone, je vais t'envoyer ma migale égyptienne dans ton lit. Je suis sûr que mon chat la mangerait. Anaïs, l'analyse technique. Mais non, oui, j'en fie. Passez un ordre. Il n'y a personne, même dans les formations à 20 000 €, il n'y a personne qui te propose de s'apprendre à passer un ordre. Personne. Ça me met hors de moi. Il n'y a personne qui parle de véritablement quasi-certitude. Personne qui parle de probabilité. Personne qui parle de passer un ordre correctement. De ce que c'est qu'un bracket. De ce que c'est qu'un OC. De ce que c'est qu'un rush order. Personne. Viens dans la Genius. Viens voir comment nous on trade. Viens, on va te montrer ce que c'est que de gagner de l'oseille en live. Anaïs, tu vas le voir en live. Tu le verras en live. On rentre. On met des brackets. On met des OC. On a les relations avec qu'il faut avec le broker. On sait analyser un margin call. Une marge de maintenance, une marge d'overnight. Il n'y a personne qui t'en parle. Ah bah l'autre, il veut te mixer futur plus forex. Il a dû entendre quelque part que ça devait se ressembler, apparemment. Mais il n'y a personne qui te parle réellement, honnêtement, de ce que doit savoir un trader le matin. Personne ne te parle de drawdown. Personne. Personne ne te parle des margin calls. Tu veux que je te fasse rire? Avec Léo, on a une conversation ce midi. Et Léo, c'est un mec bien. Il est plein d'énergie, il comprend plein de choses et il va vite à comprendre. Et il m'a dit de manière naïve, il m'a dit, Luc, quand c'est la crise, tout va bien, il suffit de vendre. Pourquoi? Tiens, deuxième question. Deuxième t-shirt. On est au sentier. Hein? Deuxième t-shirt Genius Station. Pourquoi il est quasiment impossible de gagner quand les marchés se cassent la gueule? Pourquoi? Pourquoi il est quasiment impossible de gagner quand les marchés sont en panique, comme pour le Covid au mois de mars? Pourquoi? Allez, montrez-moi votre science. Anaïs, mets-moi KO, mets-moi en PLS, mets-moi à l'envers. Mais non, les émotions, arrête tes conneries, Karim. Les émotions, je les garde pour les dames. Ça n'a rien à voir. Feed, la force est vendeuse. Oui, pullback, non, plus d'acheteurs, maybe. Luc, tu traites quoi? Luc, envoie-moi un t-shirt de toi, cœur sur toi. On a notre nouveau marque, tiens. Anaïs, c'est une ex de luxe, bien sûr que non. On peut voir les mouvements, pas de liquidité. Non, 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 non et non. Oh, merde alors. Pourquoi on ne peut pas vendre un marché quand le marché se pète la figure? On ne sait pas quand le marché va se retourner, non. Impossible de sortir, peut-être, mais ce n'est pas ça auquel je pense. Personne ne sait où ça s'arrêtera. Si, 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 on peut savoir. La panique, non, non. Vous voyez, vous êtes ce soir peut-être 300 à avoir vu l'émission live et vous serez sûrement 2000 ou 3000 à la fin de la semaine. Mais personne, je dis bien personne, n'a conscience que quand tout se casse la gueule, la première chose que fait le marché en tant que tel, la place, c'est de couper le flux. Un. Numéro deux, quand ils remettent le flux, ton broker augmente les marges. Il se protège, forcément. Opération numéro trois, il t'interdit de vendre à découvert certains titres. Tu vois, regarde, tu vois. Ça, c'est des trucs basiques. C'est l'évidence. Ça s'apprend dans la Genius. Pas avec le tabruti qui te le vend, qui a mis des likes, des dislikes et qui véritablement... voilà, te dit qu'il faut apprendre à être en first bury pour aller essayer de travailler un marché. On ne rattrape pas un couteau par la lame. Petit t-shirt pour Chuck Dissam, tiens. On ne rattrape pas un couteau par la lame. J'arrête pas de le dire, bien évidemment, en permanence. Mais oui, Khalid, évidemment, viens travailler dans la Genius. 1 euro, t'apprends plein de trucs. Demande-lui à Léo. Léo, c'est le spécialiste de la blockchain et de la crypto-monnaie. Lui, c'est pareil. Il est en goofy-foot, en surf sur la crypto-monnaie. Il s'éclate, tu vois ce que je veux dire. Non, Belle, l'interrupteur, ce n'est pas forcément que 20%. Il y a des interrupteurs à 20, il y en a d'autres effectivement à 7, à 17, à 15. Ça dépend, tout simplement. Non, ça n'arrive pas deux fois dans l'année, ce n'est pas vrai. Je vais te dire un truc, Bob, pour moi, on va en vivre énormément de ce qu'ils appellent des crises. Forcément, on va en vivre énormément. Vous voulez vous marrer? Moi, j'ai envie de rire. Ah, j'ai envie de me marrer. Tiens. Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un message du cœur. Ou vous ne m'envoyez pas des photos du cœur. Ou vous ne m'envoyez pas des photos, je ne le dis pas. Mais il n'y a pas une journée où vous ne me dites pas quelque part que je suis un escroc.
Je suis un escroc. Luc, c'est un escroc. Il, c'est un escroc. C'est un escroc. Il est escroc. Il est escroc. Crocodile. Mais Luc, c'est un escroc pourquoi? Parce qu'il dénonce les autres escrocs, c'est pour ça? Parce que ce soir, ils avaient prévu le coup et ils savaient que j'allais parler d'eux. Ils ont mis 51 dislikes. Ça se trouve, ils sont 5. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Luc, c'est un escroc pourquoi? Il y en a, il m'a écrit pourquoi j'étais un escroc. Parce que je faisais du mal à la chèvre de Dubaï. J'étais pas gentil avec la chèvre de Dubaï. Il n'en pouvait plus. Il était à bout. Il n'en pouvait plus. La chèvre de Dubaï, elle a vu la crise du Covid-19 avant tout le monde. Ça faisait 2 ans qu'elle prenait sa température dans les fesses. Et elle a compris que la Covid-19, ça arrivait. Et quand je lui réponds, espèce d'abruti, c'est pas parce qu'il dit qu'il va y avoir une crise que c'est intelligent. C'est qu'il nous donne la date à laquelle il va y avoir une crise. Après la pluie, vient le beau temps. Et c'est évident, dit Luc Vaudan. Évidemment qu'après la pluie, vient le beau temps. Évidemment que les prêcheurs qui te disent, je te l'avais dit. Mais tu m'avais jamais dit quand. Tu m'as dit qu'il allait avoir une crise. C'est le même mec qui t'a raconté qu'on allait être en récession au mois d'avril. Les marchés sont partis pour aller taper 30 000. Le seul mec qui avait les coronas pour te dire que les marchés étaient prêts à être achetés. Prouve qui c'est. Demande-toi qui c'est. On a parlé de Tesla la semaine dernière. Il voulait te le faire vendre, l'autre abruti. Regarde, moi je t'ai dit, fais-toi plaisir. C'est pour moi. La méthode Vaudan, elle paye au comptant. J'ai aimé être avec vous ce soir, en tout cas. Je suis un peu fatigué, je m'en excuse. Je serai très en forme demain à partir de 8h30. Et ça va traîner jusqu'au moins 21h. Parce que demain, ça commence à 8h30 pour l'Open des Européens. Mais à 20h, il y a notre ami Powell. Jérôme est là. Jérôme est dans la place. Il revient avec son flow. Et ça va swinguer forcément. À demain. Allez, abonnez-vous. Charlotte, mets-nous le lien. Abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous demain, en tout cas, de 8h30 à 21h. Take care, choose, enjoy. Ciao, bye bye. Je vous aime.